Est-ce que vous pensez que c'est possible de défendre l'environnement puis de voyager? Qui contrôle votre fil d'actualité, hein? Est-ce que tout est permis au nom du bonheur personnel? On est dans un pays libre, mais est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce que consommer, c'est se positionner? Est-ce que foi et science, ça peut cohabiter? Avec les médias sociaux, là, est-ce qu'on est moins seul, plus seul ou plus jamais seul? Le religieux aujourd'hui, c'est quoi? Ça se voit où? On jase, là, tu sais, des petites questions vraiment simples. Ben simples. Ben non, mais ce qu'on veut dire, c'est que à ces questions-là, il y a des centaines de réponses. Tellement d'opinions, d'options, de points de vue, puis d'informations contradictoires. On le sait, là, c'est des gros sujets, puis on n'est pas là pour vous dire quoi penser. Notre but, c'est vraiment pas de te dire comment penser, là. On n'est tellement pas là pour vous dire quoi penser. Au contraire. On veut plutôt vous aider à dépasser la simple opinion. Pour faire ça, on va vous amener à être rigoureux. À développer votre esprit critique. À discerner l'essentiel du tape à l'œil. À explorer chacun des enjeux en profondeur. À aller au fond des choses. À voir au-delà des idées reçues. À prendre une distance adéquate par rapport à des sujets qui, des fois, viennent vraiment vous chercher ou pas pantoute. Pour qu'au final, votre parole devienne crédible. Puis que la réflexion derrière soit au bénéfice du vivre ensemble. Ah, mets ça dans ta pipe puis pense! Ouais, c'est comme ça, pas rapport à cette question-là. C'est pas moi qui vais en faire ça. C'est vrai.